La deuxième édition des Printing Days a ouvert ses portes mercredi 31 mai à Abidjan. L'objectif de l'événement est de créer un cadre d'échange et d'écoute entre experts et clients pour partager leurs expériences. C'est un rendez-vous auquel ont pris part imprimeurs, maisons de communication, éditeurs, banques, spécialistes du packaging, de l'étiquette et de l'emballage. La rencontre s'est tenue autour du thème « Lancement Afrique des presses industrielles Konica Minolta, challenge et opportunité ». Une initiative de l'entreprise Timahawk. La particularité de l'innovation, c'est faire découvrir à nos clients la technologie, l'innovation, pardon, qui a été déployée par Konica Minolta ces dernières années. Donc, on est à même à mesure de montrer des machines d'impression à très grande vitesse, des machines d'impression de labels, c'est-à-dire des étiquettes, et des machines d'ennoblissement. Donc, plus besoin maintenant de se déplacer, on les a ici. D'un point de vue de tout ce qui est technologie d'innovation et de recherche et développement, que Konica Minolta aujourd'hui est quand même assez à l'avant d'un point de vue de ce qu'on a à permettre, c'est déjà d'accompagner nos clients d'un point de vue de la transition analogique offset vers le digital. Ça, c'est vraiment le cœur de ce que nous pouvons faire. Nous voulons aussi avoir un impact sur le client final, justement la partie du quotient émotionnel, de pouvoir y rajouter quelque chose de plus, non pas seulement l'impression, mais la partie qualité. La deuxième édition des Printing Days se tient sur 2 semaines, du 31 mai au 9 juin, au siège de Timahawk, situé à Cocody de Plateau-Latrie.